Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Si c'est la première fois de tomber ma chaîne, moi c'est Rose Beauty. Je suis la personne qui fait des astuces naturelles. Alors si vous cherchez la chaîne qui fait des astuces naturelles, vous êtes dans un bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer chaque fois quand je vous poste une vidéo. Sans oublier d'aller me suivre sur Instagram, Rose Beauty 712. Alors aujourd'hui, je vous amène le masque, pas comme les autres masques, parce que la majorité de nos masques qu'on fait, on a l'habitude d'appliquer ça sur tous les visages, mais ça là, ce n'est pas appliqué tous les visages. Au moins que vous me dites que si vos visages, il y a des graisses partout, que vous avez des graisses partout sur les visages. Voilà. Et si ce n'est pas comme ça, moi par exemple, ça, quand j'avais des graisses, mes graisses étaient concentrées. Si mon nez, ici, si mes joues, juste ici, en dessous de mes lèvres et sur les fronts. Ok, mes chéris? Mais pour le moment, je n'ai pas de graisse. C'est pourquoi vous allez voir le masque qu'on va faire, ça ne va pas vraiment agir comme ça pouvait agir si la peau de quelqu'un qui a des graisses. Ok, mes chéris? Voilà, c'est pour les gens qui ont des graisses sur le visage. Si vous reconnaissez que vous avez des graisses partout sur le visage, alors faites le masque, mais écartez les alentours des yeux parce que c'est sensible, mes chéris. Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Si c'est la première fois de tomber ma chaîne, moi c'est Rose Beauty. Je suis la personne qui fait des astuces naturelles. Alors si vous cherchez la chaîne qui fait des astuces naturelles, vous êtes dans un bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer chaque fois que je vous poste une vidéo. Je vais vous faire une vidéo qui va vous enlever les taches noires sur le nez et les graisses. Voilà, voici les produits qu'on va utiliser. Ça s'appelle galatine. Galatine est une substance albuminoïde extraitée sous forme de gelée des tissus animaux ou végétaux, employée à divers usages en pharmacie, en photographie et en cuisine. Voilà, nous, on utilise ça en pharmacie. Ça va soigner la peau, ça va enlever les impuretés qu'on a sur la peau. Voilà, on va utiliser ça. Donc, ce qu'on a utilisé, ça vient directement des vaches. C'est pharmaceutique, c'est mangeable, c'est la nourriture. Voilà, je vais vous montrer comment on va faire le mélange de ça. On va prendre juste un tout petit peu comme ça. Juste comme ça, mais demi-cuillerée. Ça, ce n'est pas une cuillère, c'est une cuillère. Donc, et des petites cuillères là. Voilà, c'est juste demi comme ça. Hein? Supposons que ça, c'est demi-cuillerée. On va mélanger notre galatine avec l'eau chaude. Pour que ça, on transforme ça en liquide. Voilà, comme ça. Et on va mélanger de cette façon. Comme ça, mes chéris. Voilà. Et on aura besoin de notre Colgate. Ce sont des dentifrices. Et ça s'appelle Colgate. Voilà, ça suffit comme ça. Comme ça. On va faire le mélange. Maintenant, pour l'application de notre masque, je vais utiliser ça seulement sur mon nez et en dessous de mes lèvres. C'est là où j'ai quelques graisses. Ok, mes chéris, et parfois ici. C'est comme ça que ça est. Voilà. On va utiliser ça ici. J'ai un peu de graisse ici parfois. Et si mon nez. Juste ici et parfois ici.
La sensation là de fermer les yeux, ça vient des dentifrices. Les dentifrices là, vous connaissez comment ça fait. Donc, c'est ça. Mais ça ne vient pas de gélatine, sinon gélatine est naturelle. C'est ça, mes amours. Voilà. Ce n'est pas à appliquer partout. Juste concentrez-vous, juste là où il y a des graisses. Et vous allez laisser sécher ça. Ça va sécher. Vous allez constater que ça va sécher. Après avoir séché ça sur le visage, vous allez enlever ça. Enlever ça avec... si vous avez mis un peu plus de gélatine, ça va s'enlever de cette façon. Ok, si vous n'avez pas mis assez de gélatine, vous pouvez enlever ça d'une autre façon. Prendre le papier et le faire de cette façon ici et enlever le crème. Et c'est ça, mes amours, on va enlever ça de cette façon avec un papier doucement. Comme ça. Ok, mes chéris, comme ça. Comme ça. On enlève ça de cette façon pour que ça puisse permettre d'amener les graisses qu'on a enlevées. Et après ça, on va laver le visage avec le savon, n'importe quel savon que vous avez, jusqu'à ce que les piqûres là puissent disparaître. Vous ne sentez plus ça sur la peau. Ok, mes chéris, laisse-moi aussi laver mon visage. Masque. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire concernant le masque que je viens de faire, mais je constate une seule chose et que ça glisse. Ma main glisse facilement. Donc, ça a amené quelques graisses que j'avais sur le visage. C'est ce que vous allez faire, mes chéris. Ça glisse tellement qu'ici. Mes chéris, veuillez faire le masque. Parce que ça pique, ce n'est pas à faire chaque jour. Okay, mes chéris, vous risquez d'irriter la peau. Veuillez utiliser ce masque deux fois par semaine. Deux fois par semaine, il faut écarter les jours. Il ne faut pas les faire lundi et mardi, non. Faites ça par exemple le lundi. Vous allez le faire encore le samedi. Ok, mes chéris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé ça et la partager. J'espère que vous avez enjoy. Bye bye.